Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir dans notre salle des fêtes pour ce temps qu'on souhaite désormais annuel. Donc notre réunion publique pour vous présenter les projets de l'année, les perspectives pour les années suivantes. Donc c'est vrai que l'année dernière, compte tenu du Covid et du contexte sanitaire dans lequel notre mandature s'est inscrite, nous avions fait une réunion publique globale. Mais cette année, c'est place à 2023 et surtout, vous allez le voir, à 2024. Donc peut-être rapidement un panorama sur notre commune, très succinctement. Vous rappelez quand même que depuis le 1er janvier 2023, nous avons désormais 3500 habitants à Lampertagne, un peu plus. Je pense que nous allons frôler bientôt les 4000 d'ici les 5 à 10 prochaines années. Donc ça implique bien évidemment d'autres perspectives pour la commune, non pas uniquement en termes d'habitat, de logement ou d'ouverture de classe, mais également d'un point de vue administratif pour la collectivité en tant que telle, pour sa gestion notamment financière. Je voulais ouvrir cette séance sur trois points particuliers, trois points non pas qui me tiennent plus à cœur. Vous le verrez, on va dérouler ce soir un nombre assez grandissant d'actions et de manifestations et d'animations et de projets qui ont été mis en œuvre par l'ensemble de l'équipe. Mais trois points parce qu'ils ont été, je dirais, au démarrage de notre année 2023. Tout d'abord, la question du plan de sobriété. Alors, vous l'avez tous constaté pour ceux qui se promènent dans la commune de Lampertheim, la nuit, effectivement, l'éclairage public a été éteint depuis le 19 janvier entre minuit et 5 heures du matin. Ça n'a pas été simple comme décision, d'ailleurs ça a été fait de manière assez collective. L'objectif était bien évidemment de rentrer dans ce qu'on a appelé notre plan de sobriété énergétique. Vous l'avez tous subi également, comme nous, au niveau de la municipalité, la hausse des coûts énergétiques, la hausse du gaz x6 pour la commune, la hausse de l'électricité x3 pour la commune, nous a bien évidemment incité à mettre en place des mesures dans ce cadre-là. Alors il ne faut pas se leurrer, entre la baisse de la consommation et l'augmentation du coût, bien évidemment, les économies ne seront pas non plus extraordinaires. Mais il était nécessaire à la fois, évidemment, de s'inscrire dans une sobriété comme vous l'avez faite. Ça passait évidemment par la réduction de l'éclairage public, mais aussi par des mesures de sobriété sur les bâtiments, puisque je peux vous dire que la partie chauffage sur nos bâtiments publics, je pense notamment à la mairie, puisque évidemment pour les écoles et les crèches, on est resté sur les éléments législatifs et réglementaires, mais en mairie, nous avons largement baissé le chauffage cet hiver pour contribuer également à cette baisse de coûts. Et puis surtout, je ne sais pas si vous en avez déjà bénéficié, mais une belle surprise en 2023, grâce à l'appui de la préfecture, nous avons pu réouvrir notre guichet pour la délivrance des titres d'identité. Donc depuis aujourd'hui, donc ça s'est ouvert le 5 juin dernier, en présence du secrétaire général de Véronique Burkel, notre chargée d'accueil, qui a profondément œuvré pour cette ouverture-là. Donc désormais, vous pouvez faire votre carte d'identité ou votre passeport à la mairie. Et sachez que depuis le mois de juin, j'ai les chiffres, Véronique me les a donnés, nous avons aujourd'hui donc 274 cartes d'identité qui ont été délivrées et 144 passeports. Preuve qu'effectivement, la demande était bien évidemment là. À noter que même si c'est un élément que l'on fait au titre de l'État, bien évidemment, puisque nous sommes que guichet, ça nous a quand même coûté 5000 euros d'investissement, notamment sur la partie informatique, puisqu'il a fallu prendre en compte un nouvel ordinateur et différents éléments, notamment numériques, et sécurisés pour pouvoir le mettre en place. Et puis, face au travail du service technique et avec leur souhait aussi, hein, puisque l'objectif, ce n'était pas de faire juste une demande de troisième fleur pour obtenir une troisième fleur, parce que c'est aussi un travail derrière conséquent pour l'équipe. On a sollicité cette année le passage du jury, donc de la collectivité européenne d'Alsace. Alors non, nous n'avons pas eu la troisième fleur, mais nous avons été encouragés officiellement à la troisième fleur. Donc ça veut dire qu'on est quand même repérés dans ce cadre-là, et on refera une demande l'année prochaine en espérant pouvoir fêter cela avec vous. Mais une commune, c'est d'abord et avant tout aussi une question financière. Et le budget 2023 qu'on va vous présenter, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif dans le sens où, avec l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux délégués, on met en œuvre des priorités, des projets, etc. Mais tout cela doit s'articuler dans un document assez barbare, je dois l'avouer. Je pense que tous ceux qui votent le budget en conseil municipal ne me trahiront pas quand je dis que c'est un peu abscon.
Donc c'est pour ça que je vais laisser la parole à notre directeur général des services, parce qu'il saura vous faire virevolter les chiffres, comme en tout cas mieux que moi, et c'est surtout parce que c'est son travail avant tout. Merci. Bonsoir. Donc, le conseil municipal de Lampertheim a voté le 27 mars de cette année le budget primitif 2023 pour un montant total de 5 750 000 euros. Donc, le budget se décompose en deux sections. Il y a la section de fonctionnement et la section d'investissement. Donc, pour la section de fonctionnement, qui représente 4 250 500 euros, elle se décompose en charges de personnel pour 1 010 000 euros, pour des charges à caractère général pour un montant de 1 302 570 euros. On y retrouve ici l'électricité et le gaz, dont a parlé le maire. Donc, par exemple, pour l'électricité, par rapport aux dépenses de 2022, elles ont été multipliées par 3 et ça représente 170 000 euros. Pour le gaz, ça a donc été multiplié par 6 et ça représente dans le budget un montant de 200 000 euros. Ensuite, on y retrouve également les fournitures de petits équipements, les contrats de prestation de services, comme la délégation de services publics, du péri extrascolaire et animation jeunesse, l'entretien et la réparation des terrains et des bâtiments. On a ensuite 118 000 euros d'atténuation de produits, qui représente la participation de la commune qui est reversée à l'Eurométropole de Strasbourg. Et ensuite, les 495 662 euros d'autres charges et de gestion financière, qui représentent essentiellement les subventions qui sont versées aux associations et autres organismes du type Silvio Ravel, l'AGES, l'Association de gestion des équipements sociaux, mais également des intérêts de remboursement pour les prêts qui ont augmenté cette année. Et tout ce mécanisme, en parallèle des recettes de fonctionnement qu'on va voir tout à l'heure, nous permet de dégager un autofinancement de 1 325 268 euros. On passe donc aux recettes de fonctionnement, qui sont bien sûr pour d'un même montant, 4 251 500 euros. La plupart des recettes sont représentées par la fiscalité locale, donc on y trouve la taxe sur les ménages, essentiellement la taxe foncière, pour 1 850 000 euros, les taxes sur les pylônes électriques, les taxes sur l'électricité et la taxe sur la publicité extérieure que vous retrouvez essentiellement dans la zone commerciale. On a 180 000 euros d'impôts et taxes, dont la dotation de solidarité communautaire qui correspond à la part réservée par l'EMS à la commune. Et 246 000 500 euros de dotation et participation qui représentent les participations forfaitaires de l'État et les autres participations de l'État. On a ensuite 196 693 euros d'autres produits et d'atténuation de charges. On y retrouve par exemple les remboursements sur les rémunérations dans le cadre d'arrêt de travail des agents, mais également des panneaux photovoltaïques qu'on retrouve sur le tennis, qui représentent annuellement 12 000 euros de recettes. Et toutes ces recettes, additionnées au report du résultat positif de 2022, d'un montant de 1 489 307 euros, nous totalisent des recettes de fonctionnement pour un montant total de 4 251 500 euros. Donc la section est bien sûr équilibrée. On y retrouve ensuite les dépenses d'investissement pour un montant de 1 498 500 euros qui se répartissent de 85 000 euros de dépenses financières. Donc ça, ça représente le remboursement du capital des emprunts. Pour information, aujourd'hui, au 1er janvier 2023, il y a 1 172 000 euros de capital restant dû pour la commune, hein, ce qui est assez faible pour une commune de notre taille. Et à côté de ça, dans les dépenses d'investissement, on a 1 413 500 euros de dépenses d'équipement. Donc ce sont toutes les dépenses de travaux qui sont réalisées sur la commune, qui sont détaillées sur le prochain schéma. Donc j'ai regroupé les dépenses pour que ce soit plus lisible. On a par exemple du mobilier de classe. Il a été décidé de remplacer du mobilier chaque année pour 4 000 euros dans l'école. On a 6 950 euros de matériel et d'outillage pour le service technique. Alors ça représente cette année un élément de relevage pour le tracteur, pour le déneigement. Il y a aussi des souffleurs à batterie, des outils divers pour le service technique. On a 10 000 euros pour le projet d'aménagement du 1 place du tilleul. Il y a 10 000 euros pour la végétalisation du terrain situé à côté des tennis. Il y a 16 000 euros pour le géoréférencement. Donc ça, c'est le référencement précis sur un support informatique
des réseaux électriques de l'éclairage public, dont la commune est à la compétence. Quoi. Et ensuite, il y a 18 000 euros pour le Vitaboucle, c'est l'installation d'agrès sportif sur le circuit Vitaboucle. 20 300 euros de mobilier dans différents bâtiments communaux. Donc il y a du mobilier pour la bibliothèque, du mobilier pour la salle du tilleul du rez-de-chaussée, par exemple des tables blanches, si vous participez à des animations, on a racheté des tables blanches pivotantes et plus confortables, et des armoires de stockage. Ensuite, il y a 23 500 euros de matériel informatique, il y a un panneau électronique qui va être installé à la mairie également, des logiciels pour la facturation dématérialisée et des ordinateurs. 28 000 euros pour les aménagements de parking rue du Pfluresheim, derrière l'église catholique et le délaissé de la RM64. 34 850 euros pour les aménagements dans les bâtiments, la mise en conformité, la mise aux normes, et des réparations diverses, assez courantes, réparation de la chambre froide qui est juste à côté dans la cuisine, les alarmes, le chauffage avec le remplacement d'une pompe au centre socio-culturel, sportif et culturel, toujours ici, et des travaux de programmation au tennis club de Lampertheim, et d'autres petits travaux comme ça. On a 50 000 euros prévus pour l'extension du cimetière, en sachant que la livraison de l'extension elle est prévue pour le troisième trimestre 2024 et que l'acquisition foncière sera réalisée par l'EMS, mais qu'il y a certains travaux d'aménagement qui sont à la charge de la commune. C'est pour ça que 50 000 euros sont déjà inscrits sur le BP 2023 et le reste sera inscrit en 2024, en fonction du projet de délibération qui sera soumis au conseil municipal en fin d'année. Ensuite, 63 150 euros d'aménagement de terrain, parking rue de Mundelsheim et autres. 83 600 euros de dépenses diverses. Alors, ce sont plein de petites réparations dans les bâtiments. Ça peut être des radiateurs, des bacs et mitigeurs, des casiers pour les aires de jeu, des portillons au groupe scolaire, la climatisation qui a été installée au service technique au premier étage à la mairie, l'habillage d'un conteneur, l'achat d'un piano et des travaux divers. Ensuite, on a 200 000 euros pour l'audit et la maîtrise d'œuvre du complexe sportif et culturel où on est actuellement. Et le dernier gros projet qui a été inscrit en urgence et en priorité pour le BP 2023, qui consiste au passage en 100% LED au niveau de l'éclairage public. Donc, l'ensemble de ces opérations représente un montant de 1 068 400 euros. Et ils sont rajoutés aux 345 100 euros de reste à réaliser. Ce sont des travaux qui étaient inscrits au budget primitif 2022, qui n'avaient pas été entièrement réalisés et qui ont été reportés sur le budget primitif 23. Donc les deux montants nous donnent bien un montant de 1 413 500 euros qu'on retrouvait sur la diapo d'avant. Les recettes d'investissement. Le même montant, forcément, 1 498 500 euros. On y retrouve le FCTVA et la taxe d'aménagement, 31 954. Donc la taxe d'aménagement, les montants ont baissé, et le FCTVA, il dépend toujours de l'investissement qui a été réalisé l'année précédente. Donc là, il n'y en a pas eu forcément énormément l'année dernière, donc on en récupère forcément un peu moins cette année. On a ensuite le résultat positif de l'année N-1, 22 418 euros, et les subventions d'investissement qui sont liées aux investissements qui ont été réalisés précédemment. Ce sont principalement des subventions liées à l'éclairage public pour la DETR, et pour l'éclairage public et pour l'aménagement des ateliers. Et l'ensemble des recettes, cumulées avec l'autonomie financement dégagé de la section de fonctionnement qu'on avait eu tout à l'heure, nous donne ce montant de recettes totales d'investissement de 1 480 500. Voilà, j'ai terminé pour la partie budget. Merci Frédéric. Donc effectivement, c'est un budget satisfaisant. Alors, la présentation qui en est faite, qui est relativement rapide, ne montre pas tout le travail de titanesque qui est nécessaire pour la réalisation d'un budget. Il faut savoir qu'on commence nos prévisions budgétaires au mois de octobre-novembre pour un vote au mois de mars, parce qu'on va jusqu'au centime près, jusqu'au détail. Parce que contrairement à l'État, un budget des collectivités se doit d'être à l'équilibre. Donc nous devons dépenser ce que nous pouvons recevoir. Et aujourd'hui, si on peut se satisfaire bien évidemment d'un budget plutôt sain, avec, Frédéric l'a rappelé, un endettement qui reste extrêmement correct,
Force est de constater quand même qu'on a des dépenses de fonctionnement qui sont en augmentation, liées bien évidemment à la partie inflationniste, je vous l'ai dit aussi, au coût énergétique, à toutes les mesures que peut prendre l'État et qui impactent nos budgets locaux, et sur aujourd'hui une dynamique des recettes qui est quand même beaucoup plus légère qu'il y a encore quelques temps. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous l'avez vu, notre principale force aujourd'hui de recettes, c'est les recettes fiscales. Et vous le savez, la taxe d'habitation a été supprimée, donc nous sommes liés à des compensations de l'État, donc nous n'avons plus les mêmes dynamiques qu'auparavant sur ce levier fiscal. Par contre, nous avons bien évidemment des subventions, des dotations, alors la dotation de l'État qui se raréfie aussi. Donc à un moment donné, bien évidemment, il faut faire des priorités. Quand on vous présente aussi un budget, on vous présente un panorama d'investissement. C'est ce que Frédéric vous a déroulé. Vous allez le voir après, vous allez avoir les explications de ce qui s'est fait, mais aussi les explications de ce qui ne s'est pas fait, parce qu'un budget reste toujours un document, bien évidemment, prévisionnel. Et puis, le budget n'est pas le seul élément moteur au-delà du dynamisme de mon équipe pour faire tourner, évidemment, une municipalité. Il y a bien évidemment aussi la partie ressources humaines et les équipes. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier et remercier ceux qui sont présents à nos côtés ce soir pour nous aider à tenir cette belle réunion publique. Donc, nous allons renforcer les services techniques par deux recrutements prochains, le remplacement du concierge et également le remplacement d'un agent technique polyvalent parce qu'il est aujourd'hui nécessaire face à 3500 habitants, face à une expression de besoin des habitants de plus en plus importante, de pouvoir avoir aussi une équipe renforcée en effectif. Et il y aura bien évidemment des recrutements à venir en 2024, mais ça, vous le saurez l'année prochaine. Mais comme je ne vais pas être la seule à parler, parce que sinon ça va être extrêmement monotone, je vais laisser tout de suite la parole à David Gueng pour la partie économique. Bonsoir. Alors, un petit focus, effectivement, sur le plan économique. Alors, 2023 était essentiellement une année, je vais dire, de dossiers, des dossiers qu'il a fallu suivre, défendre, voire même relancer, notamment avec ce qui se passe dans la zone commerciale, avec toujours la volonté de maintenir à la fois son équilibre économique et puis développer son attractivité. En parlant justement de maintenir son équilibre économique, pour revenir un petit peu sur les éléments budgétaires qui ont été donnés plus tôt, la zone commerciale, en termes de retombées directes pour la commune, c'est essentiellement la taxe locale sur la publicité extérieure. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, et je le regrette, mais la taxe d'aménagement ne nous concerne pas, puisque par une convention qui avait été établie il y a une dizaine d'années par la CUS, encore à l'époque, il avait été entendu avec l'aménageur que celle-ci ne serait pas perçue par les communes. Pour autant, il est dans notre intérêt de maintenir le dynamisme de cette zone, parce qu'il y a les retombées directes, j'en parlais à l'instant, comme la taxe sur la publicité, mais il y a également les retombées indirectes, avec la création, ou le maintien de l'emploi, et ça peut concerner certains de nos habitants, et puis également des retombées, je veux dire, indirectes par le flux de personnes que ça peut drainer vers les services qui sont proposés au sein de nos villages, nos restaurants en particulier à midi, qui sont souvent pleins justement par les personnes qui travaillent, voire même qui visitent la zone commerciale. Développer son attractivité, c'est en tous les cas faire en sorte de ne pas la dégrader. Parce que là aussi, j'ai peur de me répéter d'une année à l'autre, mais une de nos craintes, c'est ce qu'on appelle les friches. Les friches, ce sont des boulets au pied dont il faut absolument se passer. Parce que plus le temps passe, et plus une cellule commerciale qui a été laissée à l'abandon se dégrade vite, et il est extrêmement difficile après d'y replacer une activité. Et en plus, cette dégradation visuelle a un effet collatéral pour les commerces voisins, ce qui risque d'entraîner une espèce d'effet boule de neige et à terme finalement de dégrader complètement le périmètre de la zone commerciale. L'exemple le plus parlant d'ailleurs, c'était l'ancien magasin Go Sport, fermé depuis des années. On voyait bien que son état se dégradait d'année en année. Il portait encore même les stigmates des incendies qui l'avaient touché, je crois, à trois reprises. Et en plus, il se trouve qu'il est sur notre entrée de village. Et par ailleurs, son parking servait régulièrement de dépôt sauvage. D'ailleurs, là aussi, c'est nos services techniques et également, je crois, une opération citoyenne qui avait été menée, qui ont permis de le nettoyer à plusieurs reprises. Tout ça pour vous dire que les dossiers qu'on suit, eh bien, ils sont motivés par ces points que je viens d'exposer, et notamment donc quand le groupe Fnac Darty est venu ex-propriétaire des lieux, hein, du magasin Go Sport, donc quand ce groupe est venu pour nous présenter
un sujet pour réaménager cet ensemble et créer un magasin FNAC et d'autres cellules commerciales. C'est quelque chose qu'on a pris à bras-le-corps. C'est un travail qui a été commencé même en 2022, qu'on a poursuivi activement en 2023. Et son ouverture est imminente puisque les visites des commissions de sécurité vont avoir lieu là en octobre, en novembre, ce qui préjuge donc d'une ouverture de mémoire avant la fin de l'année. Et à titre personnel, vous l'avez vu, les travaux ont bien avancé et je trouve que quitte à avoir une entrée de village qui se fait avec un espace commercial, je trouve que esthétiquement ce bardage bois est en tous les cas déjà bien plus joli et gai, si je puis dire, que l'ancien magasin qui était laissé à l'abandon. Par ailleurs, ce projet FNAC d'artistes a également plusieurs cellules commerciales, je l'ai dit. On sait déjà qu'une des cellules sera occupée par une agence bancaire. Il reste une cellule à pourvoir, et ça fait partie des projets, enfin pas des projets, mais en tout cas des sujets, pardon, que l'on va suivre en 2024, puisque nous, on demande toujours aux porteurs de projets qui viennent nous voir en mairie d'avoir un droit de regard sur ce qui s'y fait. On aime quand même limiter la concurrence directe pour nos magasins intramuros. On aime également, si on peut, essayer de répondre à des besoins que l'on n'a pas encore et que vous et nous, habitants de Lampertheim, on a déjà identifiés. Par ailleurs, et je le dis en toute transparence, il y a un autre dossier sur lequel nous savons que nous allons devoir travailler en 2024, même si on a encore assez peu d'éléments, mais toujours dans cette optique d'éviter les friches, c'est l'ancien magasin Top Office, qui est situé sur le parking du magasin Castorama. Alors, c'est une cellule qui appartient également au groupe Castorama, ainsi que l'emprise du parking, donc pour le moment, on n'est pas partie prenante sur le dossier, mais en tous les cas, on sait qu'ils ont trouvé un repreneur et je ne dévoile rien de secret en disant que ça sera une activité de vente et de réparation automobile qui devrait s'y installer. Mais là encore, on veille activement au minimum au respect des règles qui s'imposent évidemment. Pour la zone commerciale qui se trouve sur notre banc, j'oublie pas le côté sud. Alors, bien entendu, on avait reçu les questions et les remarques qui nous avaient été adressées directement, puis également lors de la réunion publique qui concernait un autre sujet, qui est le fameux PEM. Questions et remarques des voisins riverains, enfin plutôt des riverains voisins, pardon, de cette zone, qui s'inquiétaient de certains dossiers. Je pense notamment au dossier Harvey, qui est un projet, une résidence de co-living, donc c'est bien une résidence hôtelière, on ne parle pas d'appartement, et on parle encore moins d'un éventuel futur foyer d'accueil dans quelques années. Et toujours du magasin Lidl, alors là c'est un sujet qui dure depuis des années, mais en tous les cas on a pu avancer vraiment concrètement sur ces dossiers, puisque cette année ils vont faire l'objet d'un nouveau dépôt de permis de construire qui répondra cette fois-ci aux contraintes qui leur avaient été imposées, puisque ce sont des dossiers qui ont fait de nombreux allers-retours entre les porteurs de projets, les collectivités, l'État et enfin nous, la municipalité. Et puis, pour terminer sur la ZCN, c'est aussi des fois des sujets d'arbitrage qui nous tombent dessus sans prévenir. Et je pense par exemple au souhait de cession de l'enseigne du restaurant des Trois Brasseurs, à un groupe de boulangeries, tandis que dans le même temps, et je dois le dire, le même jour, on recevait un autre porteur de projet qui voulait également installer une activité de boulangerie juste à côté. On s'est rapidement saisi du sujet. Pourquoi ? Parce que ça nous paraissait complètement aberrant d'avoir deux activités similaires séparées seulement de quelques mètres, même si les deux enseignes soutenaient Mordicus que économiquement c'était viable. Notre crainte, encore une fois, c'était de voir à court ou moyen terme survenir des friches. C'est donc, vous l'avez vu, le dossier Poulaillon qui a emporté le sujet et qui s'est installé dans ces anciens locaux, donc du restaurant Les Trois Brasseurs. Je dois dire par ailleurs que un autre intérêt du dossier Poulaillon, c'était qu'il avait l'avantage d'être accompagné d'un plan de reprise du personnel, des gens qui travaillaient au sein des Trois Brasseurs. Voilà un petit peu ce que je veux dire sur la zone commerciale. Maintenant, sur des sujets plus en proximité, un autre sujet récurrent comme le magasin Lidl, c'est le 21 rue principale. Alors, 2023, ça aura été effectivement le temps de la relance nombreuse et effective avec Habitation Moderne. D'une part, pour s'assurer qu'on a toujours la même vision sur le projet, tel qu'il avait été envisagé quelques années plus tôt. Et puis, à force d'insistance, pour obtenir de leur part, alors, à défaut d'engagement, en tous les cas, un planning sur les travaux qui nous attendent.
maintenant que tous les écueils juridiques ont été levés. Alors, je le dis, ce planning, ce n'est pas une promesse contractuelle, mais pour autant, le démarrage des travaux devrait démarrer avant la fin de l'année. Le démarrage, pardon, de la démolition devrait démarrer avant la fin de l'année. Et puis, le bâtiment, au final, devrait être livré mi-2025, plutôt fin 2025. Ce bâtiment comportera également 3 locaux commerciaux. Et la dernière réunion en date, pour notre part, a consisté à mettre en relation des porteurs de projets qu'on avait identifiés au sein du village qui voulaient développer une activité économique à Lampertheim et habitation moderne. Cette réunion a été faite, la balle est maintenant dans leur camp, mais toutefois on a précisé à habitation moderne que on aimerait faire valoir encore une fois notre droit de regard, si ce n'est pas notre droit de veto, quant aux commerces qui seront finalement retenus pour occuper ces locaux. Je terminerai, si je ne me trompe pas, sur le marché. Un petit point rapide sur le marché. Il reste toujours attractif. Peut-être certains d'entre vous y vont régulièrement. En tous les cas, le retour qui nous est fait de la part des commerçants qui y travaillent, c'est qu'effectivement la fréquentation est bonne. Et ils restent motivés pour venir. Et par ailleurs, cette fréquentation permet également d'attirer régulièrement des nouveaux commerçants qui veulent s'y établir, soit ponctuellement, soit de manière un peu plus régulière. De mémoire, récemment, on a un producteur de miel qui s'est proposé de venir jusqu'à l'écoulement de ses stocks. On a également un marchand de thé qui vient de se faire connaître. Et puis, vous en avez peut-être profité, on avait fait une opération, je dirais, test, entre guillemets, du bistrot de village. C'était ce food truck qui se proposait de s'installer sur la place et de proposer boissons et puis quelques grignotages. Alors, l'opération avait commencé en hiver dernier dans un format assez simple, et puis l'essai avait été transformé au printemps, les mercredis après-midi. Et là, j'ai une bonne nouvelle, puisque pour 2024, on remet ça, alors au minimum au printemps, ça c'est certain, mais il faut dire qu'il est victime aussi de son... Enfin, nous sommes victimes de son succès, donc pour le moment, il n'y a pas d'engagement sur d'autres dates, mais en tous les cas, la pression est forte pour qu'il puisse venir plus régulièrement, alors si ce n'est ponctuellement en été... au moins avoir quelques dates encore sur lesquelles il pourrait être présent. Et j'en ai terminé. Un point, si vous le permettez, aussi sur la partie cadre de vie. Alors, je vais plutôt axer sur la partie propreté et gestion de nos déchets. Donc, peut-être vous faire un rappel sur l'installation de bornes biodéchets qui ont été développées sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg par l'Eurométropole de Strasbourg. Vous dire que ça a un vrai succès, non pas uniquement sur Lampertheim, mais aussi à Lampertheim, puisqu'on a des sites, vous l'avez vu, où les bornes ont été doublées. Et surtout, on a à peu près 25 à 30 personnes par semaine qui viennent récupérer une cinquantaine de sachets. Donc, preuve que ça marche et que ça fonctionne. Et tout cela pour de la méthanisation à l'issue. Après, un autre point aussi sur la partie propreté urbaine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez en fait le fonctionnement jusqu'à présent du nettoyage de nos rues, mais il faut savoir que l'Eurométropole travaille en deux fois. Les axes principaux, donc rue principale, rue de Fugresheim, rue de Mundelsheim, c'est fait toutes les semaines, et tous les 15 jours, ce sont les axes secondaires. Donc ça, c'était l'objectif depuis quelques années. Depuis peu, nous sommes en phase d'expérimentation, parce que l'objectif, en fait, on s'est rendu compte, notamment par rapport à l'usage d'une nouvelle balayeuse un peu plus petite, mais qui permet d'aller dans l'aéroport, notamment par rapport à sa brosse rotative, qui, en fait, est assez sympathique. Enfin, je vous dis ça parce que je l'ai testé et que je trouve que c'est assez formidable. Je recommande d'ailleurs pour décompresser, c'est excellent pour la santé. Et en fait, aujourd'hui, en fait, pour permettre, parce que c'est une machine qui va beaucoup moins vite que la toute grande, hein, elle est à peu près sur 20 km/h, alors que la grande, on est entre 30 et 40 km/h. Donc, pour faire l'intégralité des rues, ce n'est pas possible tous les 15 jours. Donc, ce qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, nous passons sur deux secteurs. Un secteur qui sera fait donc, avec la rue principale et donc les axes secondaires, et le deuxième secteur sera fait la semaine d'après. Ce qui fait que vous avez toujours un roulement tous les 15 jours des axes secondaires, mais par contre, c'est fait quartier par quartier, et normalement, c'est mieux fait. Je compte sur vous, de toute façon, pour nous faire le retour si ce n'est pas le cas. Et puis, un projet aussi qui avait été suivi par Daphné Denant,
c'était la mise en place notamment de points d'apport volontaires. Vous savez, ces points d'apport, c'est toute la partie que nous avons notamment derrière le centre sportif où nous allons amener nos déchets, nos parties vertes, etc. Alors, il est vrai que sur la deuxième couronne, et Maud ne me contredira pas, on souhaiterait qu'à un moment donné, ce ne soit plus nous qui allions vers les poubelles, mais que les poubelles viennent à nous. Sauf que la gestion de l'Eurométropole et le coût aujourd'hui de la mise en place de cette infrastructure est encore à l'étude. On ne désespère pas, parce que je peux vous dire qu'on n'est pas seul, mais c'est vraiment toute la deuxième couronne aujourd'hui qui le souhaite. Donc pour l'instant, ce que nous avons voulu faire par rapport au débordement qui a pu être constaté sur certains sites, c'est de doubler ou quadrupler certains endroits. Donc sur la partie centre sportif et culturel, vous allez avoir plus de conteneurs papier, plus de conteneurs verts. On est également en réflexion sur deux autres implantations, mais là, on va d'abord concerter les riverains, sachant qu'on ne mettra en place qu'une borne à papier, parce que le verre, on le sait, c'est du bruit. Donc, ce serait vraiment juste sur la partie papier et à côté d'une borne biodéchets. Et on souhaite aussi, et on va solliciter l'Eurométropole, qui n'est pas fermée à l'hypothèse, puisque de toute façon, ce serait la commune qui prendrait en charge l'investissement, c'est mettre en place des conteneurs enterrés rue de Flugresheim, vous savez, sur le petit parking dont vous parlera Stéphane tout à l'heure. Donc voilà sur la partie propreté urbaine. Et bien évidemment, ça passe aussi par la gestion des espaces verts. Alors non pas que nos espaces verts sont impropres, quoique Guylaine ne me contredira pas, mais de temps à autre, elle trouve quand même pas mal de choses quand elle désherbe. Donc rappelez aussi que ça fait partie des questions de civilité. Mais par contre, nous sommes aujourd'hui dans une gestion beaucoup plus large, puisqu'il faut le savoir que la zone commerciale nord, notamment la bande enherbée du milieu, donc entre notre zone commerciale et le Cora et d'autres espaces verts, plus la partie Colsenbar, donc les coteaux du Colsenbar qui ont été récupérés par la mairie, évidemment, ça entraîne une surface importante à gérer. Donc depuis cette année, nous avons mis en place une convention avec la Régie des Écrivains. Donc la Régie des Écrivains s'occupe déjà de la partie zone commerciale nord en collaboration et en coopération avec les trois autres communes concernées et s'occupe plus spécifiquement de la partie des coteaux du Colsenbar et du cimetière, ceci pour que notre équipe, où je rappelle que nous avons que deux agents d'entretien d'espace vert pour l'ensemble de notre commune, puisse bien évidemment faire le reste. Donc c'est un gros sujet, mais nous sommes bien évidemment attentifs et on va passer tout de suite à l'éducation jeunesse. C'est encore moi. Alors à propos de l'éducation jeunesse, en 2023, on a poursuivi ce qu'on avait déjà entamé en 2022 et l'année même précédente, c'est-à-dire on tient vraiment à travailler en collaboration avec les écoles, et notamment les équipes enseignantes et la directrice. Récemment encore, nous avons une réunion avec la maire, la directrice et la coordinatrice enfance et moi-même pour réaffirmer vraiment notre volonté de travail en commun, et puis énoncer les axes qui nous tiennent à cœur et qui finalement, souvent, on s'en est aperçu, se croisent avec ceux des autres intervenants, puisque ce sont des sujets d'actualité et finalement, tout le monde a à peu près les mêmes idées et c'est dommage de travailler chacun dans son coin. Quand je pense aux autres intervenants, je pense donc aux écoles, mais également aux périscolaires, mais pourquoi pas même à la gendarmerie qui propose des programmes pour faire de l'enseignement sur l'éducation plutôt, sur la sécurité routière. Parmi ces axes qui nous tiennent à cœur, en 2024, l'accent sera mis particulièrement sur le harcèlement et plus généralement la protection de l'enfance. C'est un sujet dont s'est directement saisie Madame la maire tant il est important et il mérite vraiment de redoubler d'efforts. Par ailleurs, je l'ai dit à l'instant, la sécurité routière, on voit de plus en plus de jeunes rouler à vélo et c'est une bonne chose, mais on en voit aussi beaucoup rouler à trottinette. La réglementation à ce sujet a drastiquement changé, peu le savent, hein. Les trottinettes électriques avant 14 ans c'est interdit, il faut au minimum un casque, on ne roule pas forcément sur les trottoirs ou sur la route, bref, on est dans un flou, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, et on s'aperçoit vraiment qu'il y a de l'éducation à donner à ses enfants, de l'enseignement ou de l'éducation à donner à ses enfants sur ces sujets-là. On voit également sur la dernière sur la dernière image à droite la visite des CP, donc des petites classes en mairie, puisque le travail autour de la citoyenneté qu'on avait déjà entamé sera également poursuivi en 2024. On associe aussi régulièrement les écoles autour du travail sur le devoir de mémoire, puisqu'ils sont toujours conviés aux cérémonies officielles et ils participent autant que possible. L'été, c'est aussi la période propice pour les travaux. Alors cet été, particulièrement sur les bâtiments scolaires, il y a un nombre incroyable de petits et moyens, voire plus grands travaux d'entretien qui ont été établis par le service technique. Je ne pourrais pas les énumérer ici, mais en tous les cas, je peux en profiter pour les remercier parce qu'ils ont vraiment été
étaient efficaces et ils ont amélioré, soit ils ont maintenu, soit ils ont amélioré les conditions de nos bâtiments. Et puis, avant cet été, en 2023 en tous les cas, avait été fait un travail sur les cours d'école. On a une illustration sur la photo de gauche. C'est la toute petite cour de l'école, je dis toute petite parce qu'elle a deux cours, l'école maternelle, une plus grande que l'on voit devant et une sur le côté, et celle-ci est plus petite, qui n'était pas utilisée pour des raisons de sécurité qui nous avaient été remontées par l'équipe enseignante, notamment dues à des bordures métalliques qui étaient saillantes, et puis parce que d'une manière générale, elle était un petit peu laissée à l'abandon, et on voit qu'il y a un travail vraiment sympathique qui a été fait par le service technique, avec, évidemment, on ne pouvait pas le voir, mais cette fameuse bordure qui a été retirée, l'ensemble qui a été à nouveau végétalisé, l'installation de pas japonais. On a également retiré des arbustes qui avaient des baies qui n'étaient pas toxiques, mais enfin, c'est quand même très tentant pour les enfants d'aller voir un petit peu quel goût ça peut avoir. La grande cour de l'école élémentaire a également fait l'objet de réaménagements, cette fois-ci plus léger. Plus léger pourquoi ? Parce qu'en 2024, nous avons l'ambition et l'idée et l'envie de lancer quelque chose d'un petit peu plus grand concernant cette cour. Vous le savez, c'est un petit peu dans l'air du temps de travailler sur des projets de déminéralisation et de végétalisation. Il y a également pas mal de subventions maintenant qui existent pour faire cela. Et donc, c'est un projet 2024 qui devrait être lancé. L'idée de faire ça sur une cour, bah, c'est d'apporter avant tout un confort déjà d'utilisation, un confort visuel. Mais il y a également un véritable impact thermique, sur l'environnement proche et donc forcément sur les salles de classe qui sont adjacentes à cette cour. Enfin, sur l'image du milieu, on voit l'activité de l'OPAL. Alors l'OPAL, je le rappelle, c'est notre nouveau délégataire qui s'occupe du service périscolaire. Cette année, il a effectué sa deuxième rentrée sans grande difficulté et toujours avec la politique que l'on a demandé d'accueillir le plus grand nombre pour éviter de laisser des gens sans solution. Ceci étant dit, l'OPAL utilise maintenant quasiment la totalité des locaux que l'on est en capacité de mettre à disposition. On ne peut pas encore pousser les murs et donc un des sujets sur lesquels on va devoir un petit peu s'atteler maintenant plus précisément, c'est malgré tout il ne s'agit pas des conditions d'accès, puisque les conditions d'accès, il n'y en a pas. Hein. Un service périscolaire est ouvert à tous, mais c'est sur les critères de priorisation dans l'éventualité où on serait obligé finalement de refuser du monde, ou en tous les cas de refuser du monde sur certains créneaux. Et puis l'OPAL, c'est également un partenaire que l'on a mis en relation avec soit des événements, comme le festival Lamper Times, dont parlera peut-être plus tard Fabienne Bluhem, mais également l'OSCAL, dont parlera Nicolas Borner, qui donc défend la langue et la culture régionale, et ils font régulièrement des animations ensemble à l'attention des enfants. Et enfin, pour terminer avec l'OPAL, en 2023 a été lancée l'animation jeune, à destination cette fois-ci des grands élémentaires, ceux qui sont en âge de passer au collège, donc les CM2 en fin d'année, et puis donc les collégiens, voire les lycéens. Cette animation jeune a eu lieu dans un premier temps tous les vendredis soirs de 18h à 21h. On a fait le choix de changer le créneau. Cette fois-ci, on s'adresse à eux plutôt le mercredi après-midi. C'est un test. On est encore en phase d'ajustement. Ça remporte un succès relatif. Alors, il y a aussi des soirées à thème qui fonctionnent mieux que d'autres. Hein. Une soirée pizza, ça marche mieux qu'une soirée autre, plus banale. Les soirées foot ont très bien fonctionné quand on diffusait les matchs de la Coupe du Monde, mais le vendredi soir restait quand même une soirée pour laquelle on a remarqué que souvent c'est réservé avant tout aux soirées en famille, d'où ce choix de l'avoir déplacé maintenant pour l'année à venir, donc 2023-2024, sur le mercredi après-midi. Pour autant, on reste vraiment attentif parce que c'est un service qu'on veut proposer à nos jeunes, on veut les y amener, ça commence à venir tout doucement. On se remet souvent en question, on fait beaucoup d'ajustements et en tous les cas, on ne redouble pas d'efforts et l'OPAL non plus et nous accompagne efficacement sur ce sujet. Alors, on a beaucoup d'axes prioritaires, bien évidemment, mais il est vrai que la jeunesse est au cœur de nos préoccupations parce que c'est l'avenir de la commune et je pense que si on n'investit pas sur la jeunesse, on n'investit pas sur l'avenir. Donc c'est pour cela aussi que cette délégation est donnée, remise à mon premier adjoint. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place beaucoup de choses et aussi de les accompagner pour
leur premier emploi. On a donc mis en place de nouveaux dispositifs dans ce cadre-là cette année. Alors, il existait déjà ce qu'on appelait les porteurs, c'est-à-dire ceux qui vous distribuent en fait tous les mois la revue, les flyers, etc. On a renouvelé l'équipe qui devenait un petit peu vieillissante. Ils avaient 25 ans, mais ils étaient quand même vieillissants par rapport à l'objectif premier emploi que nous souhaitions. Et aujourd'hui, nous avons donc 7 porteurs différents qui se relaient pour 4 secteurs par mois. On a également mis en place ce qu'on appelle le premier job. Donc, on a aujourd'hui 6 candidats et candidates, dont une est présente avec nous ce soir, puisqu'ils nous permettent aussi de participer en fait aux missions d'archivage, au nettoyage, notamment dans les écoles cet été, à la partie désherbage, à l'inventaire informatique. D'ailleurs, je crois que c'est Victoria qui l'avait fait aussi. Et puis aussi à l'accompagnement des manifestations, à nous aider et accompagner bien évidemment l'équipe. L'objectif est en fait assez simple, c'est de leur permettre d'avoir un premier emploi, de les accompagner avec un tutorat mentorat qui est effectué par l'équipe technique, de les aider à rédiger un CV, une lettre de motivation, le cas échéant, et puis surtout aussi de leur faire connaître le fonctionnement d'une collectivité et ce qu'est servir l'intérêt général. On a bien évidemment toujours et encore les jobs d'été, on en a eu 5 cette année, donc là on est plus particulièrement sur les renforcements pendant la période estivale des équipes techniques. Pas de demande de stage. Mais en tout cas, je crois que ça plaît aux jeunes et c'est pour ça qu'on va leur laisser la parole et qu'on va les écouter. À Lampertime, Alia a été embauchée par la mairie pour une semaine. J'aide à l'école maternelle, je fais le ménage ou encore j'aide les agents d'entretien dehors. J'ai postulé pour m'occuper surtout pendant une semaine pour aussi forcément gagner un petit peu d'argent et aussi parce que ça montre les différents jobs qu'il peut y avoir dans la commune. Aujourd'hui, elle travaille sur les rendez-vous des nouveaux arrivants. Cet été, la mairie a lancé une nouvelle politique jeunesse en matière d'emploi. On a lancé 3 dispositifs en fonction des tranches d'âge, mais qui poursuivent le même but, c'est de promouvoir à la fois l'engagement pour la commune, mais la découverte du monde du travail. Alia fait partie du dispositif Premier Job pour les 16-18 ans. La commune met tout en œuvre pour accompagner le jeune dans le processus de recrutement. Alors on demande un CV, une lettre de motivation, on leur fait passer un entretien. Si leur candidature n'est pas retenue, de toute façon on les reçoit pour débriefer et éventuellement dégager des axes d'amélioration. Et si elle est retenue, on leur fait également signer une charte qui donne un petit peu les contours du comportement qui est attendu durant la mission. Et en contrepartie, à la fin de la mission, on refait ce travail-là de débrief et on dégage soit des axes d'amélioration, soit simplement des remarques positives ou négatives. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est vraiment de les préparer à leur future vie active. Aujourd'hui, l'émission donc pour Ludovic et Inès, c'est nettoyage du sous-sol. Et Clémentine et Ludovic, vous faites la tournée salubrité avec la collecte des poubelles. Tous 3 sont étudiants et le job d'été change leur quotidien le temps d'un mois. C'est une bonne expérience, je pense. Il faut juste se lever tôt pendant les vacances, mais c'est pas grave. Grâce à ce job d'été, je gagne le SMIC et je le dépense dans les affaires qu'il me faut. Par exemple, cette année, j'ai dû m'acheter un nouvel ordinateur parce que l'ancien a rendu l'âme. C'est un monde qui est très différent. On apprend beaucoup de choses et les impératifs, on a des tâches à faire. Il faut les réaliser en temps et en heure. Autre job, les distributeurs de support. Ils existent depuis 2017. On les appelle désormais les porteurs juniors. Eux aussi ont fait les démarches pour obtenir cet emploi. Pour pouvoir travailler, il faut déposer un CV, une lettre de motivation. Donc ça permet cette approche professionnelle avec la mairie. C'est plutôt intéressant. Pour réussir à convaincre la personne en face de soi qu'on est motivé pour ce poste. Et c'est un job à l'année, un week-end par mois pour les 16-20 ans. Premier job, job d'été, porteur junior, sans oublier l'accueil de stagiaires et d'apprentis. À Lampertime, on soutient les jeunes à l'approche du monde du travail. Et sans transition aucune, parce que face à la jeunesse, donc village évidemment tranquille, vous faites le rapport ou pas. Je voulais quand même vous parler de deux points particuliers. Alors déjà, la partie dépôt sauvage, incivilité. Oui, je sais, on en parle tout le temps, on en parle souvent. Ça remonte puisque les photos que vous voyez là, c'est soit effectivement le service technique, soit les habitants qui nous font part de ces incivilités quotidiennes qui les gênent, qui les perturbent. Alors on n'a pas de baguette magique, on a un garde champêtre, mais il n'est pas 24 heures sur 24 sur la collectivité. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait un rappel pédagogique des éléments quand c'est nécessaire. Mais en tout cas sur la partie dépôt sauvage, il faut savoir qu'on en a eu au minimum une dizaine depuis le début de l'année et que nous portons plainte systématiquement. Alors évidemment les plaintes sont classés sans suite, puisque sans preuve ou sans éléments matériels, il est difficile de les poursuivre. Mais en tout cas, il y a toujours des éléments qui sont notés à la gendarmerie.
Et puis, on a souhaité aussi que cette parole soit faite par les habitants. Je vous l'ai dit, cette photo a été prise par quelqu'un qui nous l'a envoyée en disant « Madame le maire, que faites-vous ?» Et effectivement, on nous sollicite souvent pour des rappels. Donc, vous allez trouver dans la revue qui va être distribuée dans votre boîte aux lettres ce week-end, un petit encart qui s'appelle « La parole aux habitants ». Et là, ce sont les habitants qui font des rappels à l'ensemble de la société. Parce que effectivement, faire village, c'est cohabiter tous ensemble et se rappeler gentiment, bien évidemment, l'ensemble des règles et les témoignages, stationnement, voilà, d'éjection canine, j'en passe, et des meilleurs. Vous verrez, c'est assez croustillant. Et évidemment, parce que le garde-champêtre, je vous l'ai dit, reste humain, il nous faut aussi des moyens technologique pour ce faire. C'est pour ça que nous avons développé la vidéosurveillance depuis plusieurs années sur la commune. Et cette année, victoire, nous avons enfin eu une cinquième caméra qui a été positionnée, je pense que vous l'avez aperçu, et de toute façon, la photo trahira son emplacement, au carrefour de la mairie, bien évidemment. L'objectif était en fait très simple. Aujourd'hui, nous avons donc des caméras de surveillance qui sont positionnées ici au centre sportif, et qui sont positionnés à la place de Gaulle. Avec l'appui de la gendarmerie et notamment des discussions par rapport à tout cela, il a été convenu qu'il fallait en mettre une à ce carrefour-là et aux extrémités en fait de notre commune. Sauf que pour des raisons techniques, notamment l'accès fibre optique, parce que sans fibre, nous ne pouvons pas relier les caméras qui sont reliées au CIRAC. Il est aujourd'hui impossible pour l'instant de les installer. Nous avons pu mettre celle-ci. Ça permet en fait, quand il y a cambriolage, quand il y a incivilité, quand il y a infraction en tout cas sur le banc de la commune, à ce que la gendarmerie, je dis bien la gendarmerie, puisse solliciter le CIRAC pour pouvoir visionner les images et ensuite faire les diligences nécessaires par rapport à leur enquête. Donc c'est extrêmement important. Alors il faut savoir que c'est un processus extrêmement long parce qu'on est bien évidemment sur du domaine public, donc on passe par en commission de déontologie et ensuite c'est l'Eurométropole qui les met en place. Pour autant, on a nous aussi souhaité acheter 4, non pas caméras, mais appareils en fait de captation photographique que nous allons installer sur le domaine privé de la commune, notamment à des endroits stratégiques pour faire face aux incivilités et le cas échéant pourront aussi servir de preuve dans le cadre de nos dépôts de plaintes. Sur la question sécurité aux écoles, c'est un grand sujet aussi. La première marche a été faite par notamment de la prévention et notre garde-champêtre était d'ailleurs présent pour rappeler les règles en la matière aux abords des écoles à la rentrée. On a également, vous le voyez sur la photo, remis en place des emplacements de stationnement pour bien matérialiser où chacun peut se garer parce que comme je l'ai rappelé en fait à la rentrée aux parents, je suis maman, j'ai aussi eu mes enfants à l'école, je sais comment on peut être pressé le matin, mais à un moment donné, on est quand même face à des enfants, à des petits bouts de choux qui viennent à vélo, qui viennent à pied et à trottinette désormais, et eux ne sont pas visibles quand on est en voiture. Donc il faut faire extrêmement attention et redoubler de vigilance, bien évidemment, au niveau des écoles, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous allons prochainement avoir une action de prévention aussi avec la gendarmerie. Et puis sur la question plus large en fait de la prévention, vous rappelez que cette année il y a eu 2 réunions avec les gendarmes, une réunion sur la question de la participation citoyenne, ce qu'on appelle plus vulgairement en fait les voisins vigilants. Nous avons aujourd'hui 5 habitants qui ont souhaité participer à ce dispositif, donc ils peuvent alerter les forces de la gendarmerie, donc il y a un référent gendarme qui est clairement identifié. Je vous invite, si vous le souhaitez, à candidater parce que plus nous serons nombreux à être vigilants par rapport à toutes ces préventions-là, et je sais que, par exemple, la question des cambriolages est quand même assez prégnante dans vos inquiétudes et interrogations, et je pense que c'est un dispositif qui sert aussi à ça. Ça nous permet aussi d'apposer, en fait, dans les rues, vous savez, les petits yeux, en fait, qui disent « attention, ici, on regarde ce qui se passe », et c'est aussi une manière de faire de la prévention par rapport à cette délinquance. Il y a également du coup aussi eu une information très précise de la gendarmerie sur toute la partie prévention cambriolage qui était extrêmement intéressante pour savoir comment aujourd'hui on ne peut pas forcément empêcher un cambriolage, mais en tout cas on peut le retarder pour que les forces de l'ordre arrivent en temps et en heure. Vous rappelez aussi 2 applications indispensables, je me fais le porte-parole de la gendarmerie ce soir si vous me permettez, Ma Sécurité qui est une application qui vous met en direct avec toutes les informations que peut produire la gendarmerie et sur lesquelles vous avez la possibilité de les alerter, et bien évidemment, sinon Eric va me gronder, l'application Maire et Citoyen sur lequel vous avez aussi des boutons d'alerte et de signalement pour nous dire ce qui se passe. Et nous avons la possibilité par SMS de vous alerter en cas de gestion de crise. Je pense que c'est important d'avoir au minimum ces 2 applications sur votre téléphone. C'est extrêmement simple à télécharger et si
vous avez besoin d'aide, Eric se fera un plaisir, bien évidemment, de vous accompagner dans ce cadre-là. Donc, pour vous dire que la sécurité, c'est notre affaire, mais c'est aussi l'affaire de tous et qu'on continue, bien évidemment, à être vigilants et sans transition, on passe au patrimoine et à l'urbanisme. Un petit mot de notre patrimoine. Une nouveauté cette année, les fiches Habitat et Patrimoine que vous avez pu découvrir lors des journées du patrimoine qui ont eu lieu le 16 septembre dernier. Alors, ce sont quoi ces fiches ? Ce sont des fiches d'information et de conseil qui retracent, qui lient à la préservation du patrimoine ancien. Elles ont été élaborées en partenariat avec le CAUE et elles déterminent, elles sont basées sur 6 thématiques. Donc le patrimoine bâti dans sa globalité, ça explique un peu ce que c'est, les couleurs, les colombages et les pans de bois, les ferronneries, les volets, les encadrements et soubassements, les lucarnes et la restauration, comment on restaure une façade ancienne. Donc tout ça pour vous apporter des éléments si vous avez des rénovations ou des choses à faire sur le bâti ancien. Et elles sont également accessibles depuis le 16 septembre dernier sur le site internet. Donc je vous invite à aller les yeuter, les regarder, les utiliser. Les journées du patrimoine. Donc certains d'entre vous ont fait un passage à la mairie que nous avons voulu ouverte pour ces premières journées du patrimoine. Elles étaient un lieu de rencontre et de découverte. On a pu jouer pour les plus petits avec d'anciens jeux en bois. Pour les plus grands, on a mis en place un petit jeu de Hofnome. Vous aviez des petites photos et vous avez pu les repérer sur la carte. C'est un moment assez ludique et sympathique que quelques-uns d'entre vous vont partager. Vous pouviez également consulter des ouvrages qui mettaient un peu en avant le patrimoine local, la composition d'une maison alsacienne ou encore des ouvrages sur les Hochnoug, puisque nous avons la chance d'avoir une belle tapisserie sur le haut de l'escalier. Et le moment qui a été, le plus touchant, c'est on avait mis une exposition de photos anciennes avec également des anciennes planches de projets de notre mairie. Et avec certains Lamportin et moi, on a pu replonger dans le passé et refaire vivre ces anciennes photos dont on n'avait pas beaucoup d'éléments. Donc un moment assez sympathique. On a bien noté tout ce qui nous a été dit et on ne manquera pas de le faire réapparaître lors d'une prochaine manifestation. Donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Les subventions. Ce dispositif qui était en cours depuis quelques années maintenant a pris fin pour une nouvelle, pour un dispositif en mutation qui va être travaillé avec le CAUE et sur la base d'un nouveau dispositif que la CEA est en train de mettre en place. Ça se dessine sur un projet plus pertinent et ciblé sur la préservation du cœur ancien de notre village. Le but étant de créer un véritable soutien à la rénovation et de permettre d'accompagner vraiment une décision qui serait faite sur le choix entre une fenêtre PVC et une fenêtre bois. À savoir que notre cœur ancien est sous secteur ABF, donc l'architecte des bâtiments de France va donner son aval et va effectuer son rôle de préservation sur tous les bâtiments qui seraient basés sur ce périmètre-là. Et donc ce dispositif est évidemment en lien avec le travail des fiches Habitat et Patrimoine qui ont été menées et qui sont donc visibles et disponibles sur le site de la mairie. Les Hofnome, là aussi un grand travail de mémoire qui a été fait déjà depuis plusieurs années. Vous avez vu fleurir sur les maisons à colombage et les anciennes maisons du cœur ancien de notre commune ces petits noms. Donc ce sont les noms de ces maisons qui ont été portées fut un temps, qui ont été oubliées pour la plupart, qui sont encore d'actualité pour certains de nos anciens du village et même encore les générations actuelles.
un livret avait été fait pour les 125 ans de la mairie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a été remis aussi, pas au bout du jour, mais on l'a refait vivre lors des journées du patrimoine. Donc il repère en fait et redonne vie à tous ces noms, ces identifications de maisons. Une version 2024 est en projet, avec le souhait de compléter toutes ces maisons, tous ces Hofnummer avec des histoires, des anecdotes. Donc je vous lance un appel ce soir, si vous avez encore ces précieuses photos, des choses qui seraient cachées au fond de vos tiroirs, on est vraiment preneurs, on aimerait vraiment faire revivre tous ces petits moments d'histoire qui sont rattachés à chacune de vos maisons. Alors des éléments, on en a quelques-uns, qu'on va retracer dans la version 2024. Mais cela dit, si vous en avez d'autres, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous ces éléments-là. Un autre sujet qui nous tient à cœur aussi, c'est le 1 place des Tilleuls. C'est un projet d'avenir pour notre commune. En septembre 2022, nous avons acquis cette bâtisse avec l'aide de l'établissement public foncier. C'est un projet que nous souhaitons vitrine, à la fois dans sa destination et sa programmation, mais également dans on le souhaite en être une réhabilitation soignée, alliant savoir-faire et artisanat. Ce projet se construira bien évidemment dans le temps et sera ponctué par des études, des moments collaboratifs et des mises en action. Donc pour cette année 2023, les premières réunions vont se faire pour lancer le projet. Et un dernier point d'actualité qui nous anime tout ce mois de septembre, qui vous anime peut-être aussi, c'est la modification numéro 4 du PLUI. On est actuellement dans une phase de consultation. Alors je rappelle, le plan local d'urbanisme intercommunal réglemente l'ensemble des points liés à l'urbanisme et au développement de notre territoire. Donc je le disais, nous sommes en phase de consultation. Vous pouvez encore exprimer vos éléments de remarques jusqu'à la fin du mois. Les enjeux pour l'Ampertime s'articulent autour de nos engagements que nous avons validés en conseil municipal en novembre 2021. Et ces quatre points concernent la suppression d'emplacements réservés, la requalification de deux zones 1AU en 2AU, c'est-à-dire à urbanisation plus lointaine, l'intégration du projet cœur de village ainsi que l'identification patrimoniale de notre bâti ancien, donc ça correspond au cœur ancien qui est soumis aux architectes des bâtiments de France à l'heure actuelle, et l'inscription d'emplacements réservés pour la création d'une piste cyclable entre Lampertheim et Mundelsheim. Voilà, je vous donne les grandes lignes. Les dossiers sont encore consultables en mairie. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je n'ai pas les mêmes facilités que mes prédécesseurs pour m'exprimer devant un micro, donc vous me permettrez de lire mes notes, ça évitera tout problème. C'est pas drôle, hein. Donc, nous avons constaté cette année, nous avons au courant de cette année effectué différents travaux de création et d'entretien de voirie. Alors, tout d'abord, nous avons procédé au niveau des parkings, à la réfection du parking rue de Pfulgrisheim, en bas sur la gauche, en sortie de village, et créer un parking dans la montée, toujours rue de Pfulgrisheim. C'est un terrain qui appartient à l'heureux métropole de Strasbourg, et il offre 5 à 6 places suivant le type de véhicule, et ce, à proximité de quelques services, le dentiste, coiffeur, restaurant et mairie. Voilà, l'aménagement de celui de l'église catholique est toujours d'actualité et nous espérons le voir se concrétiser dans les mois, les semaines à venir. Comme nous l'avions évoqué l'an passé, la réfection du ralentisseur à l'entrée du village en venant de Cora a bien eu lieu. Cependant, nous avons demandé une petite amélioration, parce que je ne sais pas si vous avez vu, en cas de forte pluie, il y a une flaque qui se crée, donc on a demandé à ce que l'entreprise revienne pour rectifier ce problème.
des réflecteurs type yeux de chat vont être positionnés sur les bordures afin d'identifier davantage ce dodane. Un nouveau passage piéton a été créé à l'angle des rues de Bourgogne et de Fulrisheim pour bien entendu sécuriser la traversée de la chaussée rue de Bourgogne. Et je reviendrai sur la rue de Fulrisheim lors de ma présentation des travaux 2024. Une borne de recharge pour véhicules électriques a été positionnée place du Général de Gaulle. À la demande, donc troisième photo, à la demande notamment des riverains, une étude puis la mise en place provisoire d'une écluse rue de Bourgogne ont été réalisées. Nous rencontrerons prochainement les habitants pour faire un point sur le bénéfice ou non d'un tel dispositif et si nous le retirons ou le conservons. En tout état de cause, la rue restera en zone 30, qu'importe la décision prise à l'issue de cette ultime concertation. Vous avez pu constater la réfection de la rue de Mundolsheim entre la rue étroite et la rue de la Souffelle. Ça vient de se terminer il y a très peu de temps. Les arrêts de bus, entre autres, ont été normalisés, les réseaux secs revus et corrigés, et la piste cyclable entre celle des Alisiers et la rue étroite poursuivie pour rejoindre celle menant vers le collège de Mundolsheim. Ainsi, nous bénéficions d'un tracé sécur à vélo. Des barrières provisoires ont été placées le long du pré, nous devrions recevoir les définitives d'ici peu. Un audit énergétique a été réalisé en 2023 afin de définir les choix sur le degré de travaux et de performance énergétique que la commune souhaite atteindre sur l'ensemble du parc d'éclairage public. C'est une opération d'ampleur pour notre commune. Le début des travaux de mise en LED et autres équipements de l'éclairage public est prévu encore pour cette fin d'année. Cela dépendra bien entendu des délais de livraison du matériel commandé. Mais des travaux restent encore à réaliser en 2023. Donc la réfection du réseau d'eau potable est programmée entre le 23 octobre et le 1er décembre, brûlé sur le tronçon entre la rue du Stade et le chemin Auberveg. J'ai les dates, ça vient de me parvenir aujourd'hui, donc je suis précis. Ce sera entre le 23 octobre et le 1er décembre, sur le tronçon entre la rue du Stade et le chemin Auberveg. Et toujours sur la même zone, les travaux concernant le renouvellement des enrobés seront réalisés en décembre, si les conditions météo le permettent. Sinon, ça sera reporté en 2024, forcément. Les travaux et la démolition du poste ES Massonéo, qui est rue Léon Chenoux, je ne sais pas si vous voyez où c'est, ça va être abattu, et il va être remplacé par un poste bas, type celui de la place du Général de Gaulle, je crois, vous voyez. Et ça sera fini, en principe, pour la période de Noël. 5 places de stationnement, place du Tilleul, les plus proches de la mairie passeront sous le régime de la zone bleue. Pour ce qui est de la programmation prévue en 2024, alors j'ai évoqué précédemment la rue de Fulrisheim. Dans l'année 2024, nous installerons sur cette voie un feu appelé récompense, avec une limitation de vitesse au maximum de 40 km/h, et tout dépendra bien entendu de la position de ce feu. Des contrôles de vitesse par la gendarmerie ont été demandés par la municipalité. Sachez que nous sommes très attentifs à la problématique concernant le flux, la vitesse et le bruit sur tous les axes de la commune, mais notamment sur les principaux, les axes dits structurants. Rue de Mundo, rue principale, rue de Fulrisheim. À noter qu'un second feu sera installé courant 2025, rue principale, un feu récompense, vraisemblablement entre l'église et le cimetière. Ça va normalement atténuer là aussi la vitesse. Pour votre information, le coût d'un feu récompense et sa mise en place est de l'ordre de 50 000 euros. Donc vous voyez pourquoi ça prend un peu de temps. Nous verrons enfin, en principe, la fin des travaux de mise en LED et autres équipements d'éclairage public. Et le parking en bas de la rue de Fulrisheim sera d'ailleurs doté d'un éclairage. Deux mâts sont prévus à cet effet. Le remplacement du câble d'éclairage public rue de Mundolsheim à partir de la rue de la Souffelle vers Mundolsheim sera réalisé. Alors c'est une nécessité, le défaut est important et il engendre de nombreuses pannes sur la rue. Enfin, et pour terminer sur les principaux travaux prévus courant 2024, les services de l'EMS devraient nous présenter les études et les aménagements pour le futur bassin d'orage rue de la Souffelle, chantier qui pourrait peut-être débuter encore dans l'année
2024. Alors, je tiens à préciser que nous dépendons pour l'ensemble des travaux de voirie, y compris pour le stationnement, de différents budgets qui sont fixés par l'Eurométropole, mais également de leurs exigences et de leur bonne volonté. Merci pour votre attention. Et je repasse à Madame Le Maire. Bonsoir. De nouvelles activités culturelles au soutien sportif. On va commencer par une belle exposition d'artistes lampertinois qui s'est réalisée l'an passé dans un nouveau lieu, à la bibliothèque. Je dois dire que c'était une exposition de très très grande valeur. Nos artistes sont vraiment des professionnels, ça faisait du bien aux yeux. Donc naturellement, nous prévoyons un rendez-vous pour une deuxième édition au printemps prochain. À la bibliothèque. En plus des services de lecture publique que rend la bibliothèque, de multiples événements ponctuent l'année, comme par exemple le prix littéraire des Incorruptibles. Alors c'est un prix qui était destiné aux écoles primaires, avec lesquelles on a travaillé de concert pratiquement toute une année. Mais c'est aussi la Fabrique du Livre Jeunesse, avec l'illustratrice Emmeline Escamilla, qui est venue en résidence à Lampertheim et qui a travaillé avec l'Opal, justement, à la réalisation d'ouvrages avec les enfants. Le développement de l'offre de jeux qui s'est mis en place à la bibliothèque, qui commence à vraiment à prendre de l'ampleur et qui est animé par l'équipe des bénévoles de la bibliothèque, notre bibliothécaire aussi bien sûr, mais qui a lieu maintenant les mercredis. Ça commence à monter en puissance et je vous invite à vous renseigner et à venir jouer avec nous. Tout au long de l'année, des spectacles de qualité, comme Lucille Kopf qui est venue à Noël pour faire le bonheur des tout-petits, ou alors la compagnie Bardaf qui a fait un spectacle de qualité, je dois dire, l'été dernier. Nous avons mis aussi en place une créneothèque, très ponctuelle, mais quand même. Et bien sûr, diverses expositions. Qu'est-ce qui va se passer à la bibliothèque dans les prochains temps ? Un atelier avec le cercle de généalogie qui pourra vous initier à la recherche de vos ancêtres, excusez-moi. Mais aussi des jeux de rôle avec Frisson au manoir de Marmonon. Un spectacle de la compagnie Mosca, les souvenirs de Madame Kabitsch, lors du festival Lampertheim, ou encore la chanteuse Marie Gala lors du marché de Noël qui aura lieu le 16 décembre. Nous avons évidemment prévu une nuit de lecture en janvier, des opérations dans le cadre de Strasbourg, capitale du livre, capitale mondiale, excusez-moi, en 2024, mais aussi des expositions en collaboration avec l'Eurométropole dans le cadre de son opération Circuit court. Une nouvelle newsletter a été mise en place aussi, ainsi que des marque-pages qui vous informent des événements qui se passent à la bibliothèque. Le Café Philo est venu rejoindre aussi les locaux de la bibliothèque et c'est chaque dernier jeudi du mois et je vous encourage à y participer. C'est toujours un très très grand moment. Je voudrais aussi remercier au nom de la municipalité les bénévoles qui sont toujours aussi présents, toujours aussi actifs et sans qui la bibliothèque ne pourrait pas tourner. Nous allons maintenant parler de notre belle école de musique. En 2022-2023, le thème de l'école de musique Ravel, c'était, vous avez dit, classique. Elle a rythmé l'année et de nombreux concerts, de nombreuses participations aux événements communaux ont eu lieu. Nous avons aussi acheté un nouveau piano. Ça, c'est une grande fierté. C'est pour améliorer la condition d'apprentissage de nos musiciens en herbe.
nous avons une belle école de musique de qualité. Pour l'année 2023-2024, c'est l'année des frères Joubert. C'est eux qui vont donner le tempo. Et de nouvelles actions sont déjà programmées avec l'école de musique Ravel, comme par exemple la mise en place de bébés concerts pour les 3-5 ans, en duo ou en trio, avec leurs parents, et ça commence le 14 octobre. C'est une programmation d'enfer. Show must go on. Une année sportive et culturelle, c'est aussi. C'est quoi ? Ça commence déjà par le carnaval à l'Ampertheim, avec une belle ambiance, qui a fait le bonheur des petits et des grands. Les beignets étaient délicieux. C'est aussi un soutien sportif apporté cette année à Benjamin et Margot Haute pour participer au championnat du monde de BMX à Glasgow, en Écosse. Ils sont partis en août 2023. Mais c'est aussi un soutien à notre équipe de Schulbach qui a participé au championnat du monde organisé aux Pays-Bas. Ils ont quand même terminé 5e, il faut le dire. L'année 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques. La commune de Lampertheim, qui partage les valeurs de l'olympisme, vous les connaissez ? Je vais vous en citer quelques-unes. L'amitié, le respect, l'excellence, l'égalité, le courage, la détermination, c'est toutes nos valeurs. Donc, nous ne pouvions pas passer ça. On ne pouvait pas rester sans rien faire. C'est naturellement que la commune de Lampertheim s'est inscrite dans le programme Terre de Jeux 2024 et nous allons organiser les 17 et 18 mai prochains un gros événement qui sera sportif mais aussi culturel avec tous les acteurs de Lampertheim, que ce soit les écoles, les associations, le périscolaire et vous-même. On dit toujours, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre de Coubertin, l'important, c'est pas de gagner, mais de participer. Alors, allons-y, participons. Nous allons aussi agrémenter la VitaBoucle par l'achat d'agrès. Et nous allons continuer à organiser des événements qui, pour certains, connaissent leur deuxième, voire troisième édition. Comme par exemple la chasse aux œufs, le marché de Noël qui aura lieu le 16 décembre prochain, le festival Lampertheim qui aura lieu du 20 au 22 octobre avec une multitude de choses. Je vous invite aussi à y participer. Il y en aura pour tout le monde, hein, je vous rassure. Le cinéma de plein air qui a connu sa troisième édition et qui en connaîtra probablement une quatrième. Le rallye familial. En fait, il se passe toujours quelque chose à Lampertheim. Vous êtes d'accord ? Merci. Alors, après la culture, nous allons passer à la politique sociale et David vous a déjà parlé de l'enfance, moi je vais vous parler de la petite enfance. Que faisons-nous pour nos petits ? Comme vous pouvez voir sur les diapos, nous avons fait énormément de travaux parce que pour nous, l'enfance est une priorité. Et suite à la réorganisation qui s'est passée en 2021, je vous rappelle que nous avons deux sites, hein, mais qui est maintenant plus qu'un seul site, en fait, qui est géré maintenant par la GES. Nous avons le site aux Alizés qui est pour les tout-petits, qui est de 3 mois à 18 mois. Et nous avons Bidibule, anciennement Bidibule, qui sont pour les 18 mois à 3 ans. Donc, sur ces deux sites, il était vraiment nécessaire d'offrir des nouveaux équipements pour nos enfants, mais ainsi que pour les professionnels qui les accompagnent. Et c'est dans ce but-là que nous avons signé avec la CAF une convention d'objectifs et de financement pour que nous puissions avoir des fonds pour la modernisation de nos sites. Donc cet été, de nombreux travaux ont été effectués. Là, vous pouvez voir, en fait, c'est les travaux extérieurs, c'est ce qui est le plus visible. Sur la première diapo, vous avez le site des Alizés. Donc tout l'extérieur a été refait avec des nouveaux
des nouveaux toboggans. Vous pouvez voir également que nous avons mis une pergola parce qu'en plein été, c'était vraiment intenable. Les tout-petits ne pouvaient pas sortir. Donc, tout l'extérieur des Alizés, vous pouvez voir, c'est encore en travaux puisque tous les travaux ne sont pas encore achevés. Puisque notre service technique a été mis à rude épreuve aussi bien, il devait être pour les écoles, mais également au niveau des crèches. Et puis, il y a aussi eu un problème de temps puisque nous ne pouvons pas semer le gazon en plein été. Donc, ça sera fait au mois d'octobre. Donc, l'extérieur des Alizés n'est pas terminé, mais sera terminé d'ici cet automne. À côté, vous voyez également des nouvelles structures pour Bidibule, anciennement Bidibule, où l'on peut voir pour les 18 mois à 3 ans. Et ceux-là sont beaucoup plus visibles. Là également, les travaux extérieurs ne sont pas terminés, mais vont être terminés d'ici quelques mois, puisqu'il y aura encore des tentures qui vont être mises pour protéger du soleil. Ça, c'est la partie visible. Également, nous avons réorganisé tout l'intérieur de ces deux sites avec des nouveaux jeux, des espaces de motricité intérieurs, aussi bien pour les tout-petits que pour les plus petits. Nous avons également aménagé un espace doux sensoriel pour les Alizés. Donc, c'est vraiment un lieu d'éveil pour les tout-petits. Il sera mis à leur disposition. Il y aura un espace nido. Je ne connaissais pas, puisque quand moi, mes enfants étaient petits, ça n'existait pas. Donc, c'est un espace qui est comme une grande tente, et qui est tout doux à l'intérieur, et donc les enfants pourront s'épanouir. Bien sûr, tout ceci, c'est pour les bébés. Et puis, aussi bien dans les deux espaces, vous aurez de nouveaux jouets, du mobilier qui sera également plus adapté pour nos accompagnatrices, pour le professionnel, puisque nous aurons du matériel ergonomique. Donc, comme je disais, les travaux perdurent encore, mais bientôt, tous nos petits habitants pourront profiter pleinement de toute cette modernisation. Je voudrais rappeler, comme je vous ai dit, que nous avons signé une subvention avec la CAF et que la CAF prend 80%, subventionne à 80% des travaux. Donc, en gros, il reste à la charge à la mairie 20%, ce qui représente 21 000 euros pour nous, et à la charge de la CAF qui est de 104 000 euros. Puisque l'ensemble des travaux de modernisation aura un coût de 125 000 euros. Donc, voilà. C'est pour ça que nous avons signé avec notre partenaire à la CAF. Donc voici pour nos petits chérubins. Ensuite, on ne s'arrête pas là, puisqu'au milieu de la santé, nous avons, il faut savoir que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. Qu'actuellement, plus de 73 000 décès chaque année sont dus au tabagisme, et donc 45 000 pour le cancer, petit rappel. Donc, une des actions de la Ligue contre le cancer, c'est de protéger les non-fumeurs de l'exposition à la fumée de cigarettes. Et c'est pourquoi nous avons signé avec M. Meyer, qui est le président de la Ligue du cancer du Bas-Rhin, une nouvelle convention de partenariat. Donc, on va avoir un déploiement du label qui s'appelle Espace sans tabac. Donc, des panneaux seront posés aux abords des écoles, aussi bien auprès des écoles maternelles que d'écoles maternelles que de l'école primaire, mais également au niveau de la place de Gaulle, au niveau des jeux pour les enfants, il y aura également un panneau qui sera mis en place, et également au niveau du City, qui est juste là. Donc, ça sera des endroits qui seront sans tabac, donc interdiction de fumer sur ces endroits-là. Par cette action, nous souhaitons sensibiliser et surtout préserver nos petits et tous nos habitants, bien entendu. Il y aura une inauguration de ces espaces qui aura lieu normalement le 7 novembre en présence de M. Meyer. Voilà, j'ai parlé des petits, donc j'ai en charge des petits, mais j'ai également en charge des seniors. Pour nous les seniors, en tout cas, c'est très important. Vous pouvez voir sur cette photo, c'était lors de notre thé dansant. Nous avons accueilli le thé dansant du CIS cette année. C'était une première, puisque depuis de nombreuses années, ça n'avait pas été le cas, et ça a été vraiment un très beau succès. Et j'ai vraiment eu plaisir avec Madame le maire d'y participer et de danser avec nos seniors. Alors, seniors, qu'est-ce qu'on entend par seniors? Maintenant, c'est à partir de 60 ans. Et il faut savoir que notre population, oui, on rigole, mais voilà. J'y suis pas encore, mais je m'en rapproche quand même. Donc, il faut quand même savoir que notre population, un tiers de notre population, c'est des gens de plus de 60 ans. Et qu'en 10 ans, la commune a connu une augmentation de plus de 50% de notre population de plus de 75 ans. C'est quand même important. Mais pour nous, ce qui est aussi très important à savoir et où on va avoir une vigilance très particulière, c'est pour les personnes
qui sont isolés, et très souvent, c'est des gens de plus de 80 ans. Et on a quand même entre 80 et 85 personnes qui sont dans la commune, qui ont plus de 80 ans et qui vivent seules. Et ça nous tient très à cœur d'être au plus près de ces personnes-là, puisqu'elles sont fragilisées. Et pour ces personnes-là, il y a une problématique, c'est qu'elles sont très vulnérables, surtout si elles sont isolées. Donc nous allons rester vigilants et parce que nous avons eu connaissance qu'il y a eu des abus de confiance auprès de certaines personnes. Nous avons dû intervenir cette année, donc c'est une nouveauté puisque nous n'avons jamais connu ce problème-là. Mais cette année, c'est apparu et donc nous serons très vigilants et nous souhaitons mettre une veille en place. Et notre projet est de mettre en place un suivi de ces personnes isolées. Donc dès mes prochaines réunions, enfin, nous allons en discuter avec... les conseillers pour mettre en place une veille pour ces personnes qui sont isolées et qui sont plus à risque au niveau des abus de confiance. Voilà. Il y a toujours à faire. C'est ce que nous dit souvent Laurent. Vous constatez, il n'est pas présent avec nous, mais il sera présent quand même et je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Je vais vous parler des travaux réalisés en 2023 sur notre commune. Restructuration des locaux sociaux aux ateliers municipaux. Ceci est un chantier rondement mené par la maîtrise d'œuvre qui est arrivé à son terme début septembre et qui nous permet d'avoir de nouveaux locaux pour notre équipe de services techniques. Au vu de la configuration de notre équipe, nous avons dû séparer les vestiaires et réorganiser le réfectoire, salle de réunion avec le coin bureau. Du côté du centre culturel et sportif, nous avons un audit qui a été réalisé. Là encore, un très bon travail du bureau d'études. Les premiers retours posent les bases. Réhabilitation énergétique, possibilité d'extension pour plus de possibilités, nouvelles pratiques sportives. La phase suivante sera celle du choix en fonction des possibilités financières. Les bureaux des services techniques situés au premier étage de la salle du tilleul de la mairie ont été équipés d'une climatisation. L'aménagement du bureau en mairie se poursuit et évolue avec les effectifs. Notre commune s'agrandit, notre maison commune doit s'adapter. Nous avons aussi dû engager des travaux de remise aux normes sur le paratonnerre de l'Église catholique. Du côté du cimetière, nous travaillons avec les services de l'EMS à son extension. L'EMS ayant la compétence. Pour le moment, il y a phase d'acquisition des terrains qui est en cours. Voilà les chantiers les plus importants que nous avons traités cette année, sans oublier la multitude de travaux de maintenance que nous devons traiter sur nos bâtiments communaux. Pour l'année 2024, je pense que notre plus gros chantier va se situer du côté du complexe sportif et culturel, ainsi que les travaux d'extension de notre cimetière. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une agréable soirée. Un autre sujet, c'est évidemment les commémorations et ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Alors, ça rentre en écho avec ce que Séverine vous a présenté tout à l'heure. C'est bien évidemment l'histoire de notre commune. L'histoire, la petite histoire des habitants qui nous tient à cœur et qu'on essaie de récolter au fur et à mesure des témoignages, mais aussi la grande histoire, puisque Lampertheim a aussi connu cette grande histoire-là. On a eu cette année un très beau moment, un très beau week-end commémoratif autour du 18 juin et de l'inauguration de notre borne de mémoire qui retraçait le passage de la deuxième DB à Lampertheim. Alors beaucoup m'ont interrogé en disant mais non, elle n'est pas passée forcément au centre du village. Effectivement, l'objectif en fait de cette borne n'est pas d'indiquer le passage ou la libération par la deuxième DB, mais bien le passage sur la commune. Et elle est passée sur notre banc, parce que notre banc, il n'est pas juste consacré à notre village, mais il y a aussi des champs. Et ça a été tracé historiquement, bien évidemment, puisque c'est un travail qui se fait avec la Fondation du Maréchal Leclerc. Et vous vous doutez bien qu'il ne mettrait pas une borne de mémoire si la voie, d'ailleurs c'était le commandant Massu, c'est la colonne du commandant Massu qui est passée chez nous, si ça n'était pas fondé, on n'aurait pas cette borne de mémoire. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas, je veux bien la slide, Cyril, il ne s'agit pas uniquement de poser en fait une borne, c'est de la faire vivre avec nos jeunes, avec nos
aux jeunes citoyens pour leur transmettre cette histoire, pour leur transmettre cette mémoire que nous avons tous aujourd'hui. Parce que vous le savez, nos anciens combattants, eh bien, avec l'âge, évidemment, disparaissent. Et quand disparaît l'oralité, quand disparaît cette mémoire-là, à un moment donné, on oublie. Et à l'heure où la guerre frappe aujourd'hui en Europe, à l'heure où on connaît des tensions dans d'autres pays, je pense qu'il est plus que nécessaire de rappeler ce qu'est une guerre, les sacrifices qu'ont fait certains de nos ancêtres pour que nous puissions vivre aujourd'hui en démocratie. Et ça me semble juste indispensable d'avoir aussi cette politique publique mémorielle au sein de l'Empartheid. Et en transition, évidemment, la vie citoyenne et la démocratie participative, parce que je pense que ça résonne pleinement. Donc ce soir, je ne vais pas vous faire un état des lieux exhaustif de toutes les actions qui se sont pérennisées depuis notre installation en 2020. J'ai choisi de faire un petit focus sur les actions qui ont été développées ou initiées cette année et qui vont et qu'on souhaite poursuivre sur 2024. Donc la première action, ça concerne l'Europe et effectivement en transition avec ce que disait Muriel. C'est important de se rappeler un petit peu l'origine de la construction européenne. C'était à la sortie de la guerre et c'était pour essayer de garantir la paix. On voit aujourd'hui qu'il y a encore du boulot, malheureusement. Et donc, c'est important que tout le monde se saisisse de cette question européenne. L'Europe, c'est pas juste une grosse machine, c'est pas juste des contraintes. C'est aussi beaucoup de choses qui sont faites pour les citoyens et pour essayer de stabiliser un petit peu la paix à notre niveau. Donc cette année, en fait, on a mis en place une conférence avec Anne Sander, qui est députée européenne. Donc elle nous a expliqué un petit peu quels étaient les rouages, comment ça se passait, et elle a répondu à un certain nombre de questions des habitants. Donc c'était vraiment très intéressant. Dans le cadre de cette semaine de l'Europe, on a poursuivi aussi la mise en place d'une exposition à la bibliothèque, qui était ouverte à tous pendant toute la semaine. Donc on l'échange, ça c'est quelque chose que vous avez déjà pu voir les années précédentes et on essaye de renouveler un petit peu chaque année pour tout public. Et puis la nouveauté de cette année, c'était que nous avons réussi à avoir cette année le bus de l'Europe qui est mis en place avec l'Eurométropole. C'était notamment, on a fait notamment des actions envers les enfants, puisqu'encore une fois, j'ai pour habitude de le répéter souvent, mais nos enfants sont nos citoyens de demain. Le monde, il est presque déjà plus à nous, il est à eux. Et c'est aussi très important de leur transmettre ce devoir de mémoire, de leur transmettre les valeurs de l'Europe et les valeurs de paix et l'importance de toutes ces questions de démocratie, de citoyenneté. Donc voilà, donc c'était sous forme ludique. Ça leur a a priori bien plu, donc... Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on essaiera aussi de renouveler l'année prochaine. Une autre action qu'on a initiée cette année, qui n'a pas eu un franc succès, mais à un moment donné, il faut se lancer, et puis on pourra retravailler le sujet pour l'année prochaine. Vous avez l'habitude peut-être d'entendre parler de la journée citoyenne. Cette année, on l'avait mis plutôt sous l'angle de cette journée citoyenneté et fraternité, donc c'est une journée nationale qui a lieu au mois de mai. Ça a été l'occasion de mettre en place une charte municipale de la citoyenneté et de la fraternité, donc c'est un certain nombre d'engagements au niveau de la commune pour promouvoir ces valeurs. Encore une fois, c'est des valeurs qui aujourd'hui ont tendance à se perdre et qui pourtant sont vraiment importantes. Moi, je faisais partie des personnes qui pensaient que après la période Covid, confinement, etc., qu'il y aurait un élan de fraternité, de solidarité. Malheureusement, on constate que ça fait plouf. Moi, je trouve personnellement que on retourne un peu tous à de l'individualisme, etc. Donc, c'est vraiment important pour nous, au niveau de la commune, de promouvoir ces valeurs-là, sans quoi le monde va partir vraiment à volo. Voilà. Donc je reviens pas, donc on poursuivra ces actions-là, il y en a certaines qui changeront un petit peu de format, on est en train de retravailler le format du Conseil des citoyens,
On reprendra l'année prochaine les rendez-vous avec vous, etc. Je ne reviens pas encore une fois sur toutes les actions qui vont se poursuivre. Voilà. Je passe la parole à Eric. Bonsoir à tous. Alors, quelques mots sur le numérique dans notre village. On va commencer, bien sûr, avec le grand projet qu'on a eu cette année, donc le nouveau site web. Alors, notre site web, on avait quelques exigences. On voulait qu'il soit plus simple, entre guillemets, un petit peu plus sexy. Donc voilà, je pense qu'on a réussi. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce site web, on s'est mis en possibilité d'offrir d'autres outils aux administrés, à la commune, pour pouvoir communiquer ensemble. Donc, je dis notre site web, en vérité, c'est votre site web. Je sais déjà, vous savez qu'en informatique, on sait tout. Je sais déjà que vous allez déjà dessus, que je connais les pages sur lesquelles vous allez en particulier. Donc, on va travailler les autres, bien évidemment. On va y amener beaucoup de projets, surtout en termes de demandes, d'inscriptions, de formulaires, etc. Tout ce qui est papier, on va essayer de le faire passer en numérique. On a vu malheureusement que ces dernières années, ces derniers mois, on a eu beaucoup besoin de l'informatique. Les périodes de Covid nous ont fait voir ce besoin. Et donc, vous voyez que, évidemment, moi je compte sur vous pour me faire remonter les besoins. Hein. Si vous voyez des choses à rajouter, ça sera avec plaisir. C'est un outil, c'est un nouvel outil que le conseil municipal utilise à travers tous les projets. Je pense à OFNEME, je pense aux inscriptions pour l'éducation, la petite enfance, mais aussi d'autres, les associations, etc. Il faut le faire vivre, et on continue dans ce sens-là. Donc voilà pour le site web. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, je vous rappelle, inscrivez-vous sur Maire et Citoyen. Maire et Citoyen, c'est une petite application que vous téléchargez sur votre téléphone. Vous arrivez directement sur la commune de Lampère. Vous avez les informations en live qu'on veut vous donner, donc tout ce qui peut être route barrée, alerte ou informations de travaux, manifestations, etc., etc. Donc c'est vraiment du live. Vous avez une petite indication sur votre téléphone comme vous connaissez pour les autres applis et vous êtes directement informé. C'est vraiment un gros plus pour nous. Ça permet de communiquer avec vous et vous avez aussi la possibilité. On pourra vous faire demander des sondages. On peut faire vous informer par différents créneaux, ce qui est vraiment important. Voilà, tu peux passer. Alors le sujet que tout le monde adore, évidemment, en ce moment, le RGPD. Donc, il n'y a pas de raison qu'à Lampère, on l'évite. Hein. Sujet que vous connaissez un petit peu partout, hein, à travers les administrations, au travail, n'importe où. Donc, c'est la nouvelle réglementation sur la protection des données. Alors, je sais, c'est un petit peu, on va dire, ennuyeux. Il faut le faire. Ça a aussi une grande faculté, c'est que ça nous protège. Ça protège vos données, qui sont aujourd'hui forcément stockés dans les différentes administrations, et en particulier à la commune de Lampertheim. Donc grâce à ce règlement, vous savez quelles sont les données qui sont stockées, vous savez pourquoi elles sont utilisées, combien de temps elles sont conservées, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez aussi un contact pour pouvoir les supprimer, ou en tout cas savoir ce qu'on en fait. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis référent au niveau de la commune, mais sachez aussi qu'il y a ce qu'on appelle un DPO qui est aussi présent au niveau de l'EMS. Donc voilà. Surtout ne pas en avoir peur et surtout se dire que cette réglementation, elle est vraiment là pour nous protéger à travers tous les stockages informatiques qui aujourd'hui sont plus que nombreux et sont omniprésents. Voilà. Dernier thème, normalement. La culture régionale, bien évidemment. Alors, je vais me permettre de remplacer Nicolas, non pas en alsacien, mais en version française, puisque Nicolas le parle beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas? Je vois son papa là-bas. Je voudrais le remercier pour l'animation qu'il met en place pour promouvoir notre culture régionale, bien évidemment à travers l'alsacien, sa langue, mais aussi à travers l'aspect historique et l'aspect mémoriel. On a développé pour cela un groupe de travail assez efficace, je dois le dire, avec des bénévoles qui sont proactifs, qui nous font des propositions, notamment David l'a rappelé, des animations avec le périscolaire. Ils seront présents et ils vont se mettre en place aussi dans le cadre du Lampert Times. On travaille aussi, on a conventionné, on a re-signé d'ailleurs la convention avec l'OLTA
parce que c'est aujourd'hui une association extrêmement efficace pour la diffusion de notre belle culture régionale, et puis évidemment toute la partie historique avec OFNAME, mais pas que. Aujourd'hui, l'objectif est de poursuivre bien évidemment avec le nom des rues, parce qu'il y a eu un travail assez efficace là-dessus. On souhaiterait aussi mettre en place une plaque d'agglomération pour Lampertheim, mais aujourd'hui, force est de constater que dans le groupe de travail, on ne sait pas si c'est Lamperté, avec l'accent sur le O, avec l'accent sur le A, n'est-ce pas Michel? On est d'accord. Et donc, quand on aura résolu cette énigme un jour, je vous propose effectivement d'inaugurer tous ensemble le nom alsacien de Lampertheim à l'entrée de nos villages, et ça clôturera bien évidemment toute cette belle culture que l'on souhaite porter. Et voilà, j'en ai, et on en a quasiment terminé. On est à un peu plus d'une heure et demie de présentation. Force est de constater qu'effectivement, on n'a pas été exhaustif. On vous a un petit peu, on a essayé d'être concis. Ça a été extrêmement difficile, et je sais que le travail qu'a fait l'équipe pour pouvoir vous donner toutes les informations, mais pas dans leur entièreté, parce qu'il était évidemment difficile de tout mettre en place. Vous rappelez que aujourd'hui, vous avez une équipe qui agit, qui avance, qui veut faire. Elle travaille beaucoup en temps masqué, en temps invisible. Et les occasions comme aujourd'hui sont bien évidemment les occasions de pouvoir vous démontrer ce qui a été fait, vous démontrer les actions que nous portons évidemment pour la commune. Mais ça ne s'arrêtera pas là, puisque nous ne sommes qu'en 2023. Et évidemment, nous nous projetons vers 2024. Vous les avez entendus, ils vous ont proposé plein de perspectives. Il y aura bien évidemment aussi, et je vous invite vraiment à reprendre l'agenda de la commune qui vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres, parce que nous avons aussi beaucoup d'activités avec l'Université populaire de la Cruteno qui réitère son partenariat avec la commune de Lampertheim, et c'est vraiment des animations en proximité pour vous. Saisissez-vous vraiment de cette chance-là. On aura aussi, et c'est un vrai bonheur pour moi, de pouvoir accueillir le Théâtre alsacien de Strasbourg au mois de décembre pour la pièce qu'ils vont proposer. Je crois que c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc ils viendront en décembre, un dimanche, fin d'après-midi, pour vous présenter une pièce de leur répertoire, et c'est assez extraordinaire. Il y aura aussi un gros travail, parce que nous avons eu quelques craintes, et je pense que les patients qui sont dans cette salle également, suite au départ du docteur Charpentier. Il y a eu un gros travail avec l'ARS pour pouvoir obtenir une dérogation pour que sa remplaçante puisse s'installer. On l'a reçue aujourd'hui avec Céline, elle est là depuis un mois, elle est ravie, mais elle a déjà beaucoup de monde, donc elle ne souhaitait pas grande publicité, mais en tout cas, c'est une jeune qui s'installe. Et dans nos discussions avec l'ARS, il a été aussi envisagé la création d'une maison médicale. C'est un projet, je vous l'annonce, que nous allons porter bien évidemment avec les services de l'État, mais aussi d'abord et avant tout avec les professionnels de santé, pour offrir encore plus de services, bien évidemment, à l'ensemble des habitants. Et puis, vous le savez, Stéphane en a parlé, un petit focus sur les stationnements. On essaie de créer autant que faire se peut des places de stationnement supplémentaires. On essaie de répondre à cette demande, je dirais, croissante, mais on se doute bien qu'à un moment donné, on ne pourra pas mettre tous les véhicules là où il faut, mais surtout aussi avec un objectif de créer des centralités au cœur de notre village. Et ça passera bien évidemment aussi par l'acquisition de parking. Aujourd'hui, nous sommes en cours de négociation avec l'Eurométropole de Strasbourg pour obtenir la possibilité d'avoir aujourd'hui un parking qui est privé, celui de la Steinmühle, vous le connaissez. Ça fait partie des objectifs que portait la municipalité. C'était un emplacement réservé. Nous sommes en bonne voie avec le propriétaire actuel pour permettre que ce parking devienne enfin un parking public, accessible pour tous et surtout aussi pour les restaurants. Voilà, j'en ai terminé. Mais pas avec vous, bien évidemment, parce que je sais que ça a été très long. En tout cas, nous, on a excessivement soif. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer dans la salle derrière vous, de continuer nos échanges, de nous poser toutes les questions, parce que je le rappelle, il n'y a jamais aucune question taboue avec la municipalité. Et comme ça, nous allons pouvoir vous répondre. En tout cas, je l'espère, mais j'ai nul doute avec l'efficacité de mon équipe, que j'aimerais bien que vous remerciez pour le travail qu'ils font tout au long de l'année. Merci à eux.